Kras a été fondé. Tiangan a été fondé. Début de conversion culturelle. Ok. T'en es où, toi? Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Fin de tour. En tout cas, lui, ça monte. Ah, c'est vrai que j'ai toujours un guerrier, là. Transfert, là. Et promeut-toi. Merci. Ah, on est pas mal, là. Ok, on continue de descendre. Parfait. Toi, dors. Oui, c'est passé quoi? Et toi, remonte vers les Babyloniens. Ah, il a pris une autre province à côté, hein. Et vous, 8% de défiance. Il vous reste combien de tours à vivre? 34. Pas mal. Très bien. Pourrait t'acheter un peu plus fort. On a plus de sous après. Non. Imaginez quand on aura notre deuxième armée. Ok. Ah bah les Babyloniens, ils veulent nous parler. Pas du commerce avec nous. What choice do I have? Your first envoy, this seasoned traveler, represents you abroad, and also has quite a nose for intel of interest. Très bien, notre premier émissaire donc. Et toi ici, il me faudrait plus d'or, ce serait sympa. Oh mais ça nous retire tellement de bonus. Attendez. Est-ce qu'on a fait toutes les productions qu'on voulait? Oui, il me semble. Hein. Zut. Un port. Là. Ils ont l'air de dire que ça les intéresserait. La stabilité aussi, ce serait intéressant. Mais avant de faire le port, on va faire ça. Voilà. Très bien. Babylone ne produit rien non plus. Palais de Satrape. Et baisser la stabilité. Bah, construisons-lui son ambassade à lui. On va mettre ça là. Voilà, très bien. Ok, toi t'es en pleine santé. Vous, vous avez fini de vous produire. On va donc avancer avec eux, avec nos immortels. Combien maintenant? 125, ok. Je sais pas comment faire ça. Cible l'avant-poste ou le centre administratif d'un autre empire avec une armée pour le forcer à rejoindre votre empire. Il faudra plusieurs tours sans que l'armée soit interrompue pour réussir la mission. Il dit que c'est pas possible. Ouais, je m'en fiche de tes frontières, moi. Une population merguez. Il dit que je devrais lui déclarer la guerre si je fais ça. C'est pas particulièrement un problème pour l'instant. Est-ce qu'il y a un super territoire? Oh, au bord de l'eau, ce serait joli, mais ça serait un peu nul comme territoire. 12-5, 10-6. Ah, 12-5, c'est mieux.
17. Allez, 12-5. Là, on s'est étendu d'une force. Un truc de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, tous ces avant-postes qu'on a créés. Bon, évidemment, on n'est pas très fort. C'est la pseudo-force. Rien n'a été validé pour l'instant. Bonjour. Est-ce que vous avez peur? Moi, j'aurais peur à votre place. Surtout qu'on a eux qui arrivent derrière. Bonjour. You look different. Haircut? Ouais, non, non, non. C'est la joie de déclarer la guerre. Let's go! Ouais. Assaut. Et bataille manuelle, bien sûr. Alors, le mieux ce serait de se mettre en hauteur. Évidemment. Fin du déploiement. Voilà, et c'est nous qui attaquons. Mais en fait, on peut les charger carrément. Voilà. Ils devraient descendre ceux-là, faire du 3 contre 2, là où nous, on va faire du 2 contre 1. Terminé la manche. Tour de l'adversaire. Voilà, il est mort. Un de moins. Il est pas mort là-haut. Oh, le moins 57, il fait mal. Ah si, il est mort en haut. Oh, le moins 47. On va prendre tellement facilement cette ville. Allez, c'est fini. Voilà, ça c'est pris. Nickel. Nouvelle étoile d'air débloquée. Très bien. On aurait détruit une route commerciale, ce n'est pas très grave. Votre civilisation tire profit de sa proximité avec d'autres. Gain de population en Babylone. Ok. Ça c'est fait. Qu'est-ce que tu nous veux, Phénicien? Du commerce. Ça me bat. Alors. De l'obsidienne. On n'a pas d'obsidienne? Si, on en a. On a de l'obsidienne. Besoin d'accès de votre ville. Ouais. De l'encens, je crois qu'on en a. Du safran, on n'en a pas. Non, c'est du sel. Le safran, on n'en a pas. Non? Ah, 500 pièces, non? Pour un truc nul comme ça, de la tenture. Ouais, c'est mieux. Obsidienne. 134. Vas-y, on va dire que c'est bien ça. Par contre, donc on voit qu'il y a une petite île à côté ici. Très bien. Et donc nous, vous là, vous allez devoir vous soigner. Et toi, viens là. Bénédiction culturelle, afficher les détails. Alors, plus 2 d'influence ou plus 10 d'influence principale si autre peuple. Ça coûte tellement cher, non. Je ne peux pas. Beaucoup trop cher. No fear. Ok. Quoi, faut que t'ailles pas. C'est bon, je veux te bouger. Voilà, là. Ce truc-là, on pourra bientôt les rattacher à lui. Nickel. Et toi, Mekene, tu ne fais rien. Et bah, tu vas soutenir ici. Nickel. Très bien. Où est mon... J'avais pas fait un gars qui permettait de pas se battre en fait. Ouais, c'est ça, toi je t'envoie te battre, mais en fait tu dois aller là. Très bien. Une armée en repos, groupe de chasseurs. Redescends. Debate and discussion are not the pastimes of the idle, but the actions of thinkers and movers who will touch every aspect of civilization. Ouais, ouais. Je suis philosophe. Si je les frappe le premier, ils ne me frappent pas eux-mêmes. Population de Crasien augmentée,
Ils sont... Voilà, pour utiliser les Mycéniens, bien sûr. Les Phéniciens ont notre sel, très bien, la teinture. Oui, mais c'est... Oui, d'accord. Recherche, la voile, parce qu'après, le prochain, ce sera les Phéniciens. Nickel. Quoi? Bah, ouais. Il va loin. Pour vos familles. Allez, tuez-le. Merci. Ça, c'est fait. Et vous, vous descendez. Très bien. Ah bah, il y a un truc là. Faut pas l'oublier. Viens là. Ok. Déplacez-vous tous. On est pas mal sur notre territoire. Hein. Il va nous falloir garder de l'influence. Il va nous en falloir plein. La reine des Phéniciens est devenue indécise. Non, il faut pas. Eux, ils soignent. Très bien. Toi, tu descends. Toi, tu vas aller là. Et on va voir ce que ça donne, ça. Renseignements. Vous avez trouvé des renseignements augmentant de plus 5 la pression. Allez, ils sont débarqués en plus, eux. Je vais t'en mettre de la pression, moi, tu vas voir. J'ai failli oublier. Ok, très bien. Les gages de la guerre. Non. You have created an embassy. Behind those elegant doors, a whole new world of diplomacy awaits. Il a découvert les bateaux aussi. Ça c'est cool. Art de la guerre. Non. Hydrologie. Plus de nourriture. Plus de nourriture. Ouais, c'est pas mal. Centre des impôts. Ouais, non. Rhétorique. Ah mais non, mais j'ai trop d'avance. On va faire ça. Coût de rattachement, moins 10%. Ça me semble très bien, ça. Je sais pas pourquoi il y a écrit guerrier, là-haut. Ok. Vous vous descendez. Mettez-vous là. Et soignez-vous. Ok, toi. Un peu embêté. On va remonter ces éclaireurs qui servent à rien. Déplacez-vous. Une ville au repos. Bah oui, bien sûr, on vient de la finir. Palais de Starpath. Satrape. On m'a compris, quoi. Un peu de stabilité, ça pourrait pas faire de mal. Hein. On va faire la stabilité. Le port, plus 3 d'argent. Ça, c'est pour lui donner une meilleure tête. Ok, on va faire ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Phéniciens? Doit être démilitarisé. Ouais, bah c'est toi à part. Moi j'ai un émissaire. C'est pas grand chose des émissaires. Hein. Je sais pas de quoi t'as peur. Très bien. On a un beau surplus ici. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont pas exploitées? Pas l'impression. J'aimerais faire un port ici quand même un jour. Voilà, un truc d'un genre. Une population, c'est cool. Conversion de Archie à une nouvelle religion. C'est bien. Et vous, on va descendre. Très bien. Fonds culturel. L'empire des émissaires gagne 10% d'influence de la ville étrangère visitée
par tour pour chaque émissaire en territoire. Le propriétaire de la ville reçoit la même quantité d'influence supplémentaire. Ok. Intéressant. Les terres inondées. Un véritable déluge ininterrompu tombe sur la ville de Mykéné et les terres environnantes. Si la pluie ne cesse pas bientôt, la rivière située non loin de la ville va finir par déborder. On va la protéger à tout prix. Polythéisme des Mycéniens. Première doctrine disponible. En tant que leader religieux, vous avez accumulé suffisamment d'adeptes. Vous pouvez désormais choisir la première doctrine de votre religion. Le zoroastrisme, christianisme, bouddhisme, hindouisme, islam, judaïsme. Ça fait quelque chose, ça. Ah, j'ai pas envie de rester polythéiste. Dommage, je peux pas créer une fausse religion. Hindouisme, islam. Bon. Je sais pas trop, hein, honnêtement. Partons sur les chrétiens, je pense que ce sont les plus barbares. Très bien. Rejeter le luxe. Plus d'argent. Plus de stabilité. Plus d'influence. Plus 25 expériences gagnées en créant des unités sur toutes les villes. Moins 1 entretien de l'unité sur unité. Plus un nombre de sites sacrés. Plus de science, plus d'industrie, plus de nourriture, plus 10 au soutien de guerre. Ça peut être cool ça, chasse aux infidèles. Allez go, on veut la guerre. Très bien, ça c'est fait. Mais j'avais dit que je voulais être chrétien moi. Nouvelle doctrine pour polythéisme des Mycéniens. Le roi Madrigan des Perses a promulgué chasse aux infidèles pour votre religion. Très bien. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah, que je fais rien. Obélisque des dieux. Mais je l'avais déjà fait. Ok. Ça, je peux pas. Je ne suis pas... Non, j'ai besoin d'un port. On va faire un port. On va faire un port. C'est bon. Tu veux. Insiste. Allez, fin du tour. Nouvelles merveilles peuvent être revendiquées. Vous avez trouvé une curiosité. D'accord, personne ne l'avait jamais trouvé ça. Bah non, c'est moi qui l'ai envoyé là-dessus. Ok. Très bien. Les merveilles non revendiquées. Ouais. Alors, tout ça, c'est ce qui est revendiqué. La pyramide du soleil. Plus 20 fois, plus 40 de stabilité, plus de nourriture. Mausolée, plus de stabilité, plus de science. Plus de foi, plus d'argent par alliance. Plus de stabilité. C'est pas mal sur l'eau, on va plus vite. Je dirais bien le phare d'Alexandrie, honnêtement. Sur le long terme, ça me semble très très fort. Cela, oui, bon, plus de science, évidemment, plus de stabilité. On la revendique. Ok. Une 70 d'influence par jour. Bonjour. La tenaille. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Agent diplomatique. Ok. Il faut qu'on aille au sud après peut-être. Une offre. Non. Je ne vais pas accepter de faire des échanges sur tout. Non plus. Non, fermé, j'ai dit. La tolérance religieuse. On vient de choisir de pouvoir les chasser et ils me proposent la tolérance.
Ouais, descends. On va voir au sud s'il y a des choses. Et toi au nord, Babylone qui ne se développe toujours pas, c'est bien. Au moins, il nous embête pas. Fin de tour. Nouveau traité disponible pour eux. Très bien. Alors, partager les profits, plus 20 d'argent par tour. C'est énorme vu que je leur en donne 12. Contact privilégié ou export culturel, plus d'influence. Moi, je partagerais bien les profits. Et après, état satellite, ça fait quoi? Ou assimilation? Ouais, on verra quand on aura assez d'influence. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quoi ça? Eh, ils sont forts! Ah oui, mais ils appartiennent à la ville, c'est pour ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Ok, on va aller là, nous. 124. 116 et 124. Ok. Je sais pas ce qu'ils ont. Si, ils ont des épées, c'est des archers. C'est nul. Non, pas attaquer. Il fournira aucune industrie. Ok. Je pense que les trois, là, comme ils sont dans la ville, ils ont un bonus. Et toi, continue de descendre. Toi, continue de te balader. Pas du tout. Your first harbor. Fishing, trade, voyages of exploration. You will see many things out of this tiny window onto a huge world. Ah, très bien. Des jeux. Ok, assimilation avant-poste. Mykénés seront convertis. Alors, les gens pouvaient utiliser des Mycéniens dans 3 tours. Les habitants de Uatos sont convertis. Il y en a une nouvelle recherche. On va prendre l'art de la guerre, hein. Il m'embête avec ça. Toi, t'as plus rien ? Et bah, attaquons! J'ai envie de dire attaquons et résolution instantanée, gagnons du temps. C'est une victoire, on a perdu 20% de vie, c'est très bien. C'est bon, on possède tout ça maintenant. Donc, si on vous parlait. Vous. Guerre. Je ne peux pas leur faire une reddition forcée. Ok, pourquoi? Peut-être qu'ils ont encore une ville. C'est étrange, hein. Bonjour, Phénicien. Loathsome actions from a loathsome empire. Offer compensation. No, that's not how this plays out. Okay, we can meet these demands. J'adore. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, d'accord. partager des cartes proposées. C'est refusé. I have a proposal for you. Exigé. I will have you skinned. Elle veut pas partager les cartes. Mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lui forcer la paix. Sinon je lui laisse ce qu'il y a au sud, hein, et. Quoique il a encore des soldats au sud, on a dit. On les a vus. Ok, on les a vus. Retirer des exigences. Ok. Toi, t'as fini le fort d'Alexandrie. On peut le faire sur quel type de terrain?
Où est-ce qu'on peut le placer, le phare d'Alexandrie? Je ne sais pas, moi. Ah, là, on peut. Ok. Bah là. Ok, c'est le pôle Nord. Ça va être moche, en fait, au pôle Nord. On peut le faire là. Ouais, on va le faire là, c'est cool, là. Et on va rajouter Babylone. Très bien. Et toi, tu me veux rien du tout, même. Ok, j'ai plein d'événements. Au nom de 18, ouais. Ok. Elle a refusé, très bien. Très bien, je peux pas les retirer. Ah tant pis. Ok, vous, ici, continuez de monter. Et toi, continue de descendre. Je pense pas qu'ils avaient des technologies de bateau pour aller plus loin. Et ici, c'est bien la côte. Ok. Une armée hors pot. Ne te repose pas. Boss. Mutinerie à Caral. Vous pouvez désormais mettre un terme à une guerre en cours. Convention dictates that I greet you. So here I am. Mais c'est les Phéniciens. C'est pas eux que je veux, c'est eux. You repulse me. Reddition forcée. Voilà, on te demande tout. Tout simplement. You have done a great thing.